Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, sans vouloir me vanter, moi en amour, je suis une bête. Non, mais c'est pas nous, non, je me vante pas, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai décidé de faire comme les animaux. Ah, ils sont malins, les animaux, ils ont tout compris. D'ailleurs, je me sens plus proche des animaux que des êtres humains. Si, je vous assure. Pardon, hier, j'ai vu à la télévision un reportage animalier, c'était sur les bonobos. Vous connaissez les bonobos ? Oh bon, alors, pour ceux qui ne connaissent pas les bonobos, c'est les singes qui ressemblent un petit peu aux chimpanzés, vous voyez ? Les chimpanzés. Vous voyez, ouais. Ah ben les bonobos, ils vivent en grands groupes, ils sont hyper organisés, sont très sociables, mais comme partout dans tous les groupes, des fois, il y a des conflits, il y a des petits problèmes. Et le bonobo, c'est génial, le bonobo, quand il sent qu'il y a de l'agressivité qui monte au sein du groupe, au lieu de s'engueuler, non, prac, tac, tic, 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 ils font l'amour. Je vous jure que c'est vrai. Ça vous fait pas rêver? Non, ah non, c'est parce que la situation n'est pas claire. Je vais vous mettre en situation. Par exemple, attention, par exemple, vous avez mal gavré votre voiture. Il y a un policier, il met un PV. Vous arrivez, vous lui dites, mais monsieur l'agent, mais j'étais parti que 5 minutes. Vous n'êtes pas content? Non, on a un conflit. Oui, allez hop. Ça désamorce. C'est génial. Ah oui, ça désamorce les choses. Ça donne envie de se disputer, non? Oh, j'adore les animaux. Il y a un autre animal que j'adore, c'est... Attention, qu'est-ce que c'est? Ceci. Attention, il faut vous mettre d'accord, c'est quoi? Oui, c'est un manchot. Qui a des pingouins? Je vois bien, hein, quand même. J'adore les manchots. Les manchots, c'est des... Attends, quand on pense aux petits manchots, c'est un animal en forme de patate, avec des petites pattes de 10 cm. Sérieusement, comment voulez-vous marcher avec des gens pareils? Et alors, quand on réfléchit, la nature est bizarrement faite, hein. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord, ils ont une drôle de démarche, mais ils adorent marcher. C'est-à-dire quand ils ont été pêchés, qu'ils mangent le poisson, au lieu de digérer gentiment comme tout le monde, non. Ils marchent tous ensemble à la queue leu-leu pendant 1h30. Allez les gars, hop là. Et ce que j'aime bien chez le manchot, c'est comme chez les humains. Le manchot, quand la femelle manchote, elle est dans son nid qu'elle a pondu, elle est comme ça. Il y a le mâle, il était à côté, toujours à côté, il sait pas quoi faire, il est comme ça. Ça c'est un peu comme chez les humains, hein. Mais la femelle, elle, ça l'énerve, elle me dit « Tu m'énerves !»« Mais fais quelque chose, bouge !» Va me chercher des cailloux, lui. Il se sent investi d'une mission et il va chercher des cailloux. Ah, des petits cailloux, des petits cailloux. Et il revient. Et c'est vrai. Il revient, des petits cailloux, des petits cailloux, des petits cailloux. Et alors moi, comme je trouve toujours un lien avec les humains, ah ben les manchots, ils me font penser aux adolescents. Là, tout le monde s'est dit, je ne comprends pas. Si, les adolescents, avec les pantalons qui pendouillent entre les jambes. Ils ont un corps en patate avec des petites pattes de 10 cm. Et eux non plus, ils ne savent pas quoi faire, ils sont comme ça. La seule différence, c'est que eux, ils vont pas chercher des cailloux. Eux, ils font « Oh, ma boulette de shit, elle est où ma boulette de shit ?» Pour garder les animaux. Et les chiens, oh, j'adore les chiens. Vous savez quel est le meilleur moment de la journée pour un chien? C'est quand son maître lui dit « On va promener !» On va promener le chien. Oh, c'est mon maître. Oh, je te connais. Oh, c'est content. On va promener. Oh, c'est content. Oh, c'est content. Oh, c'est content. C'est ma laisse. Oh, c'est ma laisse. Oh, c'est content. Où le jardin? Où je dois faire pipi? C'est quand même formidable d'être aussi démonstratif. Vous imaginez si on faisait ça dans la vie de tous les jours, nous? À chaque fois qu'on est content, hop, hop. Par exemple, madame, c'est quoi votre prénom? Oui, Josiane. Et monsieur? Jean-Marc? Marc. Jean-Marc, c'est chouette aussi, non? Non, mais c'est Marc. On imagine, Josiane, hein? On imagine que Marc aurait dit à Josiane, Josiane,
On va voir le spectacle de Virginia. Josiane. Oh, c'est mon mari. Oh, je le reconnais. Oh, c'est content, on va prendre le. Oh, c'est content. Oh, c'est content. Oh, c'est content. C'est mon sac à main. Oh, c'est mon sac à main. Oh, c'est content. Oh, le jardin, je vais faire pipi. Tu es content, tu es content. Ne vous moquez pas, soyez attentifs. Moi, j'adore les animaux.